Invitons à la prière. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cher Père Céleste, cher Père d'amour, nous venons devant toi avec des cœurs légers. Car tu nous donnes à nouveau l'occasion d'être ensemble. Encore une occasion de te louer, de te glorifier. Combien tu es grand, combien tu es fort. Combien tu aimes ta création. Nous ressentons à tout moment ton amour, ton aide, ta main paternelle. Ta connaissance dépasse ce que nous pouvons comprendre ou vivre ou connaître. Tu es toujours là, cher Père Céleste. Tu ne nous as jamais abandonnés. Et même à travers ces moments, tu ne nous abandonnes pas. Et de ce fait, nous avons l'assurance que dans l'avenir, tu ne nous abandonnes jamais. Ensemble en communauté, nous avons cette occasion de te dire merci. Car tu nous aimes et tu nous as aimés. Tu réponds à nos suppliques. Tu es là même quand on a oublié de prier. Tu couvres tes serviteurs, tes servantes. Tu es là pour le plus grand, le plus petit. Tu exauces nos prière, tu adresses nos soucis. Tu fais de nous tes enfants. Et cher Père Céleste, tu nous mets sur ce chemin. Et nous en sommes reconnaissants pour tout. Et nous apportons cette reconnaissance devant l'autel ici. Nous sommes en communauté à travers des kilomètres et les ondes pour te dire merci. À travers aussi nos paroles, mais avec nos actions de grâce. Avec nos actions, ce que nous pouvons faire aussi pour ton œuvre. Ce n'est que par amour, car tu nous as aimés en premier lieu. Merci pour nos frères, nos sœurs. Pour l'aide que tu nous donnes dans la maladie, dans la peine. Nous avons cette occasion à nouveau de prier l'un pour l'autre. Pour prier pour ceux qui ont oublié de prier. Pour prier pour ceux qui prennent soin de nous. Priez pour ce pays et les autorités. Priez pour ceux qui ont perdu un bien-aimé, pour consolation et force. Tu connais les besoins des uns et des autres. Ceux qui sont dans le chômage et dans la peine. Pour assurer leur pain quotidien. Ceux qui souffrent dans la maladie. Ceux qui ont des soucis. Parfois avec raison ou sans qu'on comprenne pourquoi. Donne consolation, force et aide comme toi seul tu sais connaître. Sois avec nous pendant ces moments. Permets que nous n'entendions pas la voix d'un homme, mais
ta voix. À travers ton Esprit Saint. Nous pensons à nos bien-aimés de l'au-delà qui participent et qui partagent ces moments avec nous. Sois avec ceux qui sont éloignés. De l'autel de grâce. Malgré cela, permet une proximité l'un avec l'autre. Et montre-nous comment nous pouvons aussi les aider à recevoir le pain qui vient de toi. Donne plus et mieux que nous pouvons mettre en parole. Nous voulons être un avec notre apôtre Patrick. Que ces prières nous couvrent. Ce pays et ton peuple ici. Je te demande cela au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs, nous sommes heureux de pouvoir partager ces quelques moments ensemble. Balinga minanga bolingo bana abasi bana nzambe abasi pa mibali totondisa misuna esengo kwete toka bolana bino elongo ngonga oyo ya esengo. De partager aussi une parole. Okabola peli susu maloba qui nous vient de Jean 11e chapitre le verset 25. Oyo etanga bina katia mukanda ya Yohane mukapo ya zomi na moko verset 25 pe 26. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Yesu alobi na ye, ngai nazali moseku ici pe na pesaka bomoi. Moto oyo andimi ngai akozala na bomoi ata soki akufi. Moto nyoso oyo azali na bomoi na ndenge andimeli ngai akokufa ata mokolo moko te ondimi yango. Nous vous invitons à prendre place et nous demandons une petite strophe de la chorale. Tosengi bino bozwa biska po vanda pe tosengete bayembi nzembo bapesa biso eteni ya nzembo. Tout est bien, bien allez voir. Tout est bien, bien allez voir. C'est des sources qui chers frères, chers sœurs, chers invités qui se joignent à nous. Balinga mikatina Christo bande kwa basi pe mibali, babianga mi pe papa ya bayi basangani na biso elongo. De loin et de près, nous vous souhaitons tout temps cordial bienvenue. Mosika to pene, otika to tombe la bino banso, oyebolamu. Heureux d'être ensemble pour ces quelques moments. Esengoli susu kozale elongo, pona mwa eteni ngonga oyo. Nous souhaitons recevoir à nouveau vie et force. Tolingi tozo ali susu bomoi pe bokasi. En dépit de kilomètres ou de distances qui nous séparent. Que nous puissions sentir, ressentir l'amour de notre Père Céleste et l'unité. Ce n'est qu'à travers lui que nous puissions rester ensemble malgré cette séparation terrestre. Semaine passée, nous avons fêté ensemble la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre texte biblique nous donne les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il a prononcé tout juste avant d'effectuer la résurrection terrestre de Lazare. Oyo ye alobaki yambo ete asala boseku ici. Il était en chemin vers Bethanie, il a rencontré Marthe. Qui a partagé les tristes nouvelles. Qui disait: si Seigneur, tu étais là, cela n'allait pas
ça arrivait. Alobina yete ya solo nkolo soki yo zalaki wana makambo ya pase linga ke komate. C'est là où nous avons ces paroles maintenant de notre Seigneur Jésus. Desika tozwi maloba oyo sika ya nkolo na biso Yesu. Je suis la résurrection et la vie. Nazali bomoi pe nazali lisekwi. Je ne sais pas avec quelle qualité de voix. Na yebite na lolenge nini ya mongongo. La Bible ne nous dit pas s'il a prononcé ça de façon très forte parce que c'est une grande phrase, une grande prononciation. Biblia ezoloba te alobaki yango na bokasi to na kimia po ete ezali maloba ya bokasi mingi ya ntina penza. Mais on peut avoir tendance à croire qu'il a dit ça avec une autre voix consolante. Mais tokoki kozala na makanisi ya kolobete alobaki yango na motema ya kimia, motema pe maloba ya mobondisi. En prenant Marthe. Nako simba Marthe. Pour dire je suis résurrection et vie. Nako yebisa ina kimia nyoso ete nazali bomoi, nazali pelisekwi. Car quelques versets après dans le verset 35, c'est marqué que Jésus pleura. Na mwa milongo mokusu soka olandisima mingi mingi na mologo atukumisa tuna mitano malobezo lobete Yesu alela kisima. Il était fortement touché par ce qu'il venait de vivre et d'entendre. Makambo ebetaki mingi na motema pona mayo oya utaki koyoka pe komona. Pourquoi il pleurait? Pona nini alelaki? Oh, on dit que les Juifs disaient voilà combien il a aimé son ami Lazare. Mais bazolo baba Yuda balobaki tala boni boni alingaki moninga na ye Lazalo. La Bible ne précise pas. Biblia zali kolobate kasi. On aurait de mal à comprendre parce que Jésus savait en quelques moments que ezali Lazare allait être ressuscité de la mort. Ezali pasi pona biso kososola bozindo makambo nyoso kasi toyebi ete Yesu ayebaki malamu ete Lazalo alingaki asekwa. Il a même dit avant que cela ne se passe, merci cher Père Céleste pour ce que tu fais. Kutu yambo makambo eleka yasi alobaki liboso ete matondo tata likolo pona oyozo sala. Oui, ses pleurs pouvaient être parce qu'il a perdu un ami, il y avait cette séparation. Tango mosusu kolela na ye kokaki kozala po ete abungisaki moninga. C'est la spéculation, ça pouvait être aussi par frustration de l'emprise de la mort. Yasolo, wadeza makanisi abato, me kokaki pe kozala mpasi oyo ayokaki lolenge nini liwa ezali kopesa pasi. L'efficacité du péché dans le monde et comment ça fait une séparation. Nini masumu ezali konyokola na mokili pe zo bota boka bwani. Une frustration, une tristesse, nous ne savons pas. Tango mususu pasi na botema, tango mususu mwako imaima. Seulement il n'est pas resté en pleurs. Mais zokande atikala kikaka kolela te. En peu de temps il est allé pour dire allons-y au tombeau. Na mwangonga moka telema kia ebisi bandeko. Tokei esika opinkunde ezali. Il a accompli quelque chose de merveilleux. Ah, sosola ki eloko oyo eleki ntina. Il a ressuscité Lazare de sa vie terrestre. A sekwisaki Lazalo na kufa to pe na bomoi na ye awa na mokili. Il n'a pas donné à Lazare la vie éternelle, il a donné seulement la vie terrestre. Zoka na lisekwi ana apesaki Lazalo bomoi ya sekote kasi azongiselaki bomoi na ye na mokili. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'il avait la capacité. Pwete ye azalaki na makoki nyonso. C'est pour démontrer son autorité, sa puissance en tant que fils de Dieu. Tout commence avec je suis. Ce n'est pas une formulation. Par chance, Jésus utilisait cela ailleurs. Ailleurs, en Jean 6, il disait je suis le pain de vie. Na kati ya mukada nzambe na Yohane mokapo ya sabo azolo bapeli sote nazali lipa ya bomoi. En Jean 8, na kati ya mokapo mwambe, il a dit je suis la lumière du monde. Alobi nazali bongengi ya mokili. Ailleurs il a dit je suis le bon berger. Bisika mosusu ekoloba lisusu nazali mobateli pate. C'est pas une formulation par hasard. Ezali makambo oyo yeki kaka na bobeti libakubo ete. Il a repris la formulation que nous lisons déjà en Exode 3e chapitre. Azwaki lolenge ya koloba oto zotanga déjà na kati ya mokanda ya mobembo to Exode na mokapo misato. Du créateur nous avons écouté, je suis celui qui suis. Oyo toyoki nazela ya mokeli ete nazali oyo azali. Et cela montre la connexion qu'il y avait avec Dieu.
Dieu le Père. Makambo nyoso ezola kisa bomoko oyo ezalaki elongo na Nzambe Tata. Cette même autorité, cette même puissance lui l'avait, il l'a démontré par ressuscité. Bokasi moko oyo nguya moko ye pazalaki na yango alakisa yango na nzela ya bosekwi. Mais c'était pas la fin de plan de son sa vie. Zoka ezalaki sukate ya manaka ya bomoi na ye. Plus tard, il est allé faire d'autres choses. Na sima ngonga kendaki kosala pe makambo mosusu. Il lui-même s'est ressuscité. Yeme hyper misekwi saki. Ce que nous avons fêté dimanche passé. Ye yango maito sepelaki po solomingwe ucholeka. Assez rapidement, les gens se sont mis en doute. Déjà au temps de premiers chrétiens. Déjà outana tango aba Christo ya yambo. Et nous pouvons lire en 1 Corinthiens 15. Tokoki kotanga na mokapo ya yambo ya mokanda liboso ya ba Corinto. Comment l'apôtre Paul s'est mis à maintenant mettre en garde ceux qui ont mis en question cette résurrection. Na chapitre 15 Thomas Paul azali ko kebisa bayo oyo ba chaki tembe na lisekwi oyo. Déjà à cette époque il mettait en doute la résurrection de Christ ou la résurrection de mort. Déjà na tango wana bango bazalaki ko kotela tembe likambo etali bo sekwi ya Christo to pe bo sekwi ya bakufi. Et Paul soulignait pour dire attention, pourquoi vous mettez cela en cause? De Paul azalaki ko tcha mokolo to pona koloba bokeba. Pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi déjà il y avait le doute qui entrait? C'est-à-dire il y avait déjà un certain temps qui séparait la résurrection de Christ avec là où Paul a écrit la lettre. Il y a certains de ces témoins originaux qui commençaient à mourir. À ce moment, l'histoire déjà nous apprend qu'il y avait la naissance des autres doctrines, des autres églises qui n'étaient pas forcément d'accord avec l'église de Jérusalem. Pour des différentes raisons, les gens mettaient cela en doute. Et Paul, au début de Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, soulignait le témoignage de ceux qui l'ont vu. Et il voulait souligner combien il était maintenant dérangé par les faux témoignages qui existaient, qui naissaient. Le gauche à droite. Au moment où Christ est ressuscité, on a vécu toute une transformation. On pouvait se demander qu'est-ce qui était à l'origine de cette transformation. Nous connaissons ceux au début qui étaient peureux, effrayés, maintenant chassés de tout vent et voix. Pierre reniait, les disciples fouillaient. Thomas doutait. Thomas, ils étaient dispersés. Et puis peu après, nous lisons que quelque chose de fabuleux. Les deux, Pierre et Jean. Il y avait à nouveau le courage, ils pouvaient témoigner, parler en public. En Actes 4, ils disent, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vécu. À cause de là, ils étaient jetés en prison. L'ange est venu. Et directement, on lit en acte 5, ils se retrouvaient au temple. Acte chapitre 5, le commandant, les huissiers de commandant de temple sont venus vers le commandant. Pour dire, le type que vous avez emprisonné, à nouveau, il est de retour, ils enseignent dans le temple. Qu'est-ce qui donnait cette confiance et cette possibilité de témoigner? Mais parce qu'ils ont vu,
Ils ont témoigné de sa résurrection. Ils ont reçu l'Esprit Saint. Et cela leur a procuré la capacité de faire face à ceux qui devraient vivre. La persécution, la tribulation. Ceux qui devraient venir, même plus tard, devenir des martyrs. Martyrs. Ils ont pu vivre cette persécution. À cause de leur foi et à cause de l'esprit qu'ils ont reçu. Et cela a fait toute une transformation. Chers frères et sœurs, nous vivons aussi la même chose. Notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et ceux qui délimitent ou définissent notre capacité de vivre la résurrection. Paul, il a souligné. On peut le lire dans le verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Vous voulez différencier entre ceux qui croient en Jésus tout simplement pour avoir cette situation, cette terrestre. Une solution à leur problème. Une meilleure situation. Il a dit, si c'est seulement pour ça, nous sommes malheureux. Nous n'aurons pas le salut. Ce n'est pas ça qui produit le salut. Nous devrions croire à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et la résurrection de mort. Dans l'église chrétienne, en dehors, tout le monde dit que non, ce n'est pas possible cette résurrection. L'église à Christ, Libanda na yango, parce que belé bazolo bete, makambo ko se kwa oye ko salamate. Ici et là, on le met en doute. Et belé koutou bazo tia yango tembe. Même à l'intérieur, parfois, des églises chrétiennes. Koutou atana katia ba église à yaba Christo. Il y a une tendance à avoir une transition pour dire oh, c'était pas exactement comme ça. Bato bazolo ka mwanzela mokuse pona koloba ezala ki penza penza boyete. Ou c'est une résurrection symbolique tout simplement. Et c'est hautement dangereux. À la fois pour l'Église, parce que cela signifie la fin de l'Église. Et pour l'enfant de Dieu ou l'être humain, ça signifierait pas de salut. Et on n'aurait pas cette capacité de faire face aux différentes tribulations et ce que nous vivons. Il veut réduire l'Église à seulement un enseignement moral. Une façon de vivre une doctrine, cela suivait des règles, ça suffit. Pour cela, vous n'avez pas besoin de l'église apostolique ou d'une église. Ça suffit, des règles, les façons de vivre, ça suffit. Mais nous comprenons pour avoir la vie éternelle. Et pour avoir cette force de la résurrection. Il faut comprendre que, non, notre Seigneur Jésus est ressuscité. Le Seigneur, il a terminé cette intervention, cette phrase. Envers Marthe, avec ces paroles, crois-tu en cela? Et en ce matin, l'Esprit dit à nous, est-ce que tu en crois? À la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
Est-ce que tu en crois sérieusement à son retour? Est-ce que tu en crois sérieusement et sincèrement à la résurrection de toi et de moi? Et c'est cela qui compte. Et par extension, nous pouvons demander, est-ce que vous croyez dans l'apostolat? Dans ce que Jésus a dit, celui qui vous reçoit, il me reçoit. Est-ce que vous croyez, nous croyons vraiment dans l'église néapostolique? Est-ce que la nécessité et l'efficacité des sacrements? Est-ce que nous croyons dans la parole que nous écoutons derrière l'autel de grâce? Est-ce que tozon dit mela maloba otozo yoka na sima mesa bonzenga? Ou dans le prêtre de ministère? Tope na kati ya mosali ya nzambe. Peu importe les qualités terrestres. Ataso ki lo lenge na ya bomoto na mokile keseni. Nous comprenons, il y a toujours ces deux parties. Ezalika katangu yo soto soso la kabiteni o mibale. La partie spirituelle sainte qui est irréprochable. Etenyo ya molimo o ezali santu o makambo akoloba na yango ezali te. Et la partie terrestre visible parfois plein de fautes. Le discours derrière l'autel des grâces, parfois nous bégayons. Nous faisons une erreur de texte biblique, nous disons une mauvaise parole. Mais est-ce que vous croyez dans la parole? Mais est-ce que ton dit que cela procure une bénédiction? C'est ça qui est important. Nous ne sommes pas parfaits. Et notre foi n'est pas toujours constante. Ça chancelle. Il ne faut pas avoir honte ou peur. C'est normal. Nous avons tous un peu de doute ici et là. Et c'est pour cela qu'il y a un bel exemple en Marc 9e chapitre. Où le papa voulait que Christ intervienne pour son enfant. Et il n'était pas sûr qu'il avait assez de force ou de foi. Il a dit, oui, je crois. Aide-moi, secourez-moi dans mon incrédulité. Avec cette attitude, le Seigneur est là. Il répond, il nous aidera. Nous n'avons pas peur, nous n'allons pas tout simplement pleurer. Nous allons nous joindre à la lutte avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui libère. À travers sa vie, sa résurrection. Nous sommes heureux seulement de nous joindre à cette lutte. De faire partie de cela. Et de pouvoir aussi en bénéficier. Ça nous aide à traverser ces moments. Amen. 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 Nous ne sommes pas seuls ce matin. L'apôtre Wamba est venu se joindre à nous. Nous voulons l'inviter à l'hôtel de grâce. La chorale peut préparer le chemin. L'amour est vivre et l'amour. Cet hôtel de grâce, chers frères et sœurs,
Nous déposons notre gratitude envers le Seigneur. Qui a bien voulu utiliser nous qui sommes pécheurs pour soutenir son œuvre de salut. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons la grâce d'être appelés par notre apôtre district. À témoigner de la ferme conviction que Marthe en avait à ces questions. Pona kotato la nalikambo etali bondimi ya makasi oyo Marthe azalaki nango likolo ya mituna na ye. Marthe n'était pas seule, elle était aussi avec sa sœur Marie. Marthe azalaki ye mo côté, azalaki longo na ndeko na ye ya mwasi Marie. Avant cette résurrection, Marie avait aussi sa façon qu'elle occupait auprès de Jésus, yeah. Et même pour Marthe. Yambo ya bosekwi oyo tebi malamu ete Marthe pe Marie moko na moko azalaki na lolenge pe na esika na ye azalaki kozwa pembeni ya Christo. Marie était là pour écouter la parole du Seigneur. Marie azalaki wana pona koyoka kasango malamu ya Christo. Mais Marthe s'est donné beaucoup plus à la cuisine. Bongonde ko Marthe azalaki komi pesa mingi na misala ya makusa. Par là, nous voulons parler de la personne qui était de près et de loin. Na yango tolingi tolobela likambo ya moto azalaki pene na azalaki mwa mosika. Aussi avec la pandémie qui est en train de roger le monde entier. Lelopeli susu na maladie oyo ezali ko pesa pasi na mokili mobimba. Nous nous retrouvons auprès de un petit nombre pendant que les autres nous suivent par retransmission. Tozali kokuta liboso na biso mwa moke ya bato zokande ebele bazolanda biso na nzela singa. Mais nous voulons épingler juste ce qui a eu auprès de Marthe. De tolingi tolobela moke oyo ekomaki pembeni ya ndeko Marthe. Marthe, parce que Marthe était de loin, mais ce jour-là sa foi était vraiment grande auprès du Seigneur. Marthe azalaki tango na tango mwa mosika, mais nzokande mokolo wana bondimi na ye ezalaki monene penza pembeni ya nkolo. Elle n'avait pas encore vécu quelqu'un qui était mort, qui était ressuscité, mais lui a parlé de la résurrection les jours de la fin. Zoka azalaki nanu abikati ata mokolo moko moto akufa pe asekwa, mais nzokande ye azalaki kolobela likambo oya bosekwi kaka mpona mokolo asuka. Et alors Marie qui était à tout près de Jésus, qui le suivait à tout moment, quand le Seigneur s'est approché auprès de lui, elle a dit non, ça fait déjà 4 jours, il sent déjà, ce n'est pas important que vous fassiez quelque chose. Zokande Marie, oya zalaka tango na tango pembeni ankolo Yesu, yende moto abimisaki maloba ya koloba te esi esali mikolo minei asi aumeli ero azobimisa deja solo tina kutu ya kopusa na pembeni na ye ezali te. C'était un grand miracle. Ezalaki makamwisi minene. Aujourd'hui aussi le Seigneur est en train de nous poser la question. Lelo pe lisusu nkolo azotuna biso, azotuna ngai na yo motuna. Croyez-vous à la résurrection de tous ceux-là qui sont touchés à cette pandémie? Est-ce que vous ondi mais la lycée qui a baillé banso oyo maladie oyo et touti bango? Si nous l'acceptons de tout cœur, le Seigneur fera quelque chose. So qui to kondi mayango na motema mobimba kolo akosala likambo moko amonene pona bango. Comme il en a fait à Lazare, parce que la question n'était pas posée directement à Lazare, mais la question était posée à Marthe. Lolenge asalaka ngo na Lazare. Tebi malamu ete motuna etuna makambala moko na Lazare te, mais motuna etuna maka epai ya ndeko Marthe. Alors vous qui êtes touchés, soyez sensibles à cela et veillez croire à la parole du Seigneur pour que vous-même vous puissiez aussi triompher les jours de son retour. Zokande bino bay makambo oyo etuti na motema. Botela motema nyoso epai ya Nzambe po ete bino mpe na mokolo ya bozongi ya nkolo bozwa nzela ya kozwa lobiko. Maintenant sa sœur Marie qui suivait le Seigneur de près. Zokande ndeko ya mwasi Marie ndeko ya Lazare o azalaki kolanda Kristo na penepene. Et comme nous, elle est comme nous qui sommes ici, qui suivons le Seigneur à travers l'apostolat. Et azali lokola biso baitozali awa tozolanda pe nkolo na nzela ya bantoma. Notre apôtre district a parlé ici, le Seigneur n'a pas seulement dit qu'il est la résurrection. Tomana biso a district alobi awa ete nkolo alobaki kaka tete azali lisekwi
mais il est aussi la lumière. Mais la question nous est posée maintenant, nous qui sommes enfants de Dieu, croyons-nous que le Seigneur travaille même dans l'au-delà, même les âmes qui sont dans l'au-delà aussi bénéficient de l'œuvre de rédemption ici sur terre? Croyons-nous aussi que la promesse du Seigneur qui a parlé en Matthieu chapitre 28 verset 18 à 20 demeure d'actualité jusqu'à présent? Est-ce que tozo limete elaka oyonkolo Yesu apesaki na kati ya mokanda ya Matayo bokapwa tukumi bale na muambe ezalili susu na ntina yango tina moyi ya lelo? Il a promis à ceux-là qui vont accepter l'œuvre du Seigneur d'être dans de respecter, de demeurer jusqu'à son retour. Alaka kina bayo oyo bakondima sango elamu ya nkolo Yesu. Maintenant, nous pouvons nous poser, qu'est-ce que c'est la foi? C'est intitulé dans l'épître des Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Qui dit, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de ce qu'on n'a pas encore touché. Aujourd'hui, les promesses du Seigneur demeurent d'actualité. Il viendra, peu importe le moment. Que ce soit dans les turbulences comme nous en avons aujourd'hui. La question vous est posée, mais posée encore. Sommes-nous d'accord de répondre oui à son retour? Si nous le disons de tout cœur et nous le faisons avec foi, le Seigneur nous aidera à triompher les jours de son retour. Notre apôtre nous a parlé aussi des problèmes qui se sont passés auprès de l'apôtre Paul. Mais le même l'apôtre Paul là aussi dans Actes chapitre 15. Du premier verset jusqu'à 12e verset. Il s'est bité aussi à une discussion intense. Qui était provoquée par de nouveaux convertis. Qui tenait à tout prix que on ne peut pas être accepté par Dieu si on n'est pas circoncis. Et cette discussion-là a été vraiment très capitale jusqu'à ce que ce groupe-là s'est avancé jusqu'à Jérusalem. Arrivé là-bas, et l'apôtre Pierre a conclu dans le 12e verset pour dire, nous sommes soutenus par la grâce et nous avons la foi par la grâce du Seigneur. Que ce soit nous les circoncis et les non-circoncis. Alobiete ya solo tozana kondima etelikolo ya mawa ya nzambe. Ezala pona biso baye oyo tozali bakatangenga to bakatangenga te. Aujourd'hui l'apostolat est dans l'œuvre pour que nous puissions comprendre que l'œuvre de salut appelle tout le monde. Que ce soit ceux qui sont dans la foi ou ceux qui sont un peu loin. De yango lelo, mosala ya bantoma, ezali kobenga banso, ezotala bilongite, ezala bayebazana kati ya bon.
Lorsque vous puissiez accepter cette grâce qui vous est donnée en ces moments de turbulation, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, Balinga bikati nankolo, chers invités, si l'enfant est à l'école, ce qui moana azalina etelo, il doit placer sa confiance dans le professeur, l'enseignant. Et sengeli atia motema na ye na moye kwisi na ye. Si la confiance, ce qui elikia, alors là il se met à travailler. Ce qui azalina elikia likolo na ye wana komitia na mosala. Deux choses ensemble permettra qu'il peut réussir. Biloko mi balé et ko kopesa nzela eteye alonga. S'il manque cette confiance, ce qui a zangi kotia motema oyo, va pas s'y mettre pour étudier. Akomika baté po etatanga. Nous voulons maintenir notre confiance dans la résurrection. Tolingi tobatela kotia motema na biso likolo a bosepi. Mais nous mettre aussi à l'œuvre pour cette transformation. Peto mitia na mosala pona mbongwana oyo ya motema. Afin que puissions s'accaparer avec la grâce de notre Père céleste la vie éternelle. Pote biso tokoka kozwa bongo bomo ya seko na mawa ya nzambe na biso likolo. Les moments que nous vivons ici bas, parfois difficiles, sont passant. Bangongo tobika ka na kati ya mokili. Tant musu ezalaka ya pasi, tant musu pe ko kikoleka. Nous voulons utiliser ces moments efficacement. Tolingi to sale lantangu o ya pasi na lolinge yango esengeli. Nous voulons préparer aussi notre cœur pour le pardon de péché. Tolingi pe to bongisa mitema na biso pona bolimbisi masumu. Dans plusieurs villes du monde. Na kati ya bamboke ebele na mokili. Il y a inclus à Kinshasa, il y a ce qu'on appelle des zones de isolement. Atawa na Kinshasa, ezali na biteni o balobi batie batu mosika. Les zones de confinement. Bisika o bakangisi batu esika moko. L'autorité a proclamé, vous ne pouvez pas sortir sans autorisation. Moko bakonzi amboka bazui mokano balobi bino bokoki kobimate soki nzele pesa meli binote. Et nous respectons cela. Pe tozali kotosa yango. Tout comme nous voulons respecter tous les consignes. Le linge boko tozali kotosa mikano nyoso e pesa. L'autorité peut octroyer la capacité de sortir de cette zone de confinement. Kaka bakonzi wana bakoki pe kopesa yo makoki pwete yo obima na bisika oyo batie bato nyonso. Et si vous êtes autorisé à sortir, vous possédez ce qu'il faut. Soki yo zwi nzela pona kobima, c'est que ozali na mikanda nyonso ezantina. Ça ne suffit pas maintenant. Et singeli ekoki te soki ezabongo. Il faut se mettre sur la route, dans sa voiture, dans sa bicyclette, à pied, maintenant essayer de franchir. Si ma kozwa mikanda, si ke singeli ozwa mokano, ya kozwa motuka na yo, ya kozwa velo na yo, tope ya kotambola makolo pwete obime esiko lingo kende. Même avec cette autorisation, il y a des barrières. Atasso ki ba pesio mokanda oyo po etobima. Yeba ite zali na bisika oyo ba tie bisika ko tele misabato. Nous allons trouver ceux qui sont là pour vérifier. Okuta bato bazali wana po ete batala soki mokanda no esengeli. Les autres qui sont là pour prendre la température. Basusu ba tele mi wana po ete bayeba esko zali na maladi tote. On vous demanderait même de sortir de votre véhicule et laver les mains. Bazo tuna yo ba ebisio kitana motoka na yo pe sukola maboko. Et si vous refusez à faire tout cela, vous allez être bloqué. Soki yo boiko sala makambo nyoso ba ko tele misa yo bakangi yo. Même avec l'autorisation. Ata soko zana mokanda. Oh, c'est seulement pour donner un exemple. Makamboyo ezalaki pona biso to pesa bino ndakisa. Nous savons que le péché nous sépare de Dieu. Toyebi ete masumu ekabolaka biso na Nzambe. Et avec nos péchés, impossible d'avoir communion avec Dieu. Pe longo na masumu na biso ezali pasi pona biso tozala na bomoko na Nzambe. Il a donné à l'apostolat la capacité de prononcer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ le pardon de péché. Apesa ki bongo nzela na bantoma makoki ya koloba bolimbisi masumu na tina ya nkolo na biso na kombo ya nkolo na biso Yesu. Nous pouvons écouter cette parole. Tokoki koyoka maloba oyo. De reconnaître qu'ils ont la capacité, l'autorité de le dire. Pe kososole te bazali na bokasi ya koloba yango. Mais il faut que nous nous mettons dans notre véhicule maintenant. Esengeli sika biso tokota na motuka na biso sika. Ça veut dire il faut que nous regrettions nos péchés. Elingika kolobe te esengeli biso tolela bobe na biso. Il faut que nous descendons de notre véhicule. Esengeli te biso tokita na motuka na biso. Nous réfléchissons sur ce que nous avons fait. Tokanisa malamu mayenini tosala. Nous ayons la ferme conviction de ne plus pécher. Que nous pardonnions les autres, ce sont des barrières qui peuvent empêcher que nous ne soyons pas
en connexion éternelle avec Dieu. Kolimbi sabasusu poetezali lokola mabaku oyekopekisa biso tozala na bomoko na Nzambe. L'autorité peut être bel et bien là. Ya solo makoki bokasi ekoki kozala wana. Sans que nous nous y mettions. Kasi soki tokomitia te na mzela. Le pardon que nous écoutons n'aurait aucune efficacité. Bongo bolimbi sio biso tokoyoka ekozala tana bokasi moko te. Si maintenant nous voulons regretter. Ndesika ngonga oyo biso tolingi toyok tolela. Nous voulons réfléchir. Tolingi tokanisa. Nous voulons penser à ce que nous avons fait. Tolingi tokanisa malamu penza mayebiso tosalaki. Reconnaître notre mal. Koyeba bobe na biso. Pardonner les autres. Kolimbi saba susu. Prononcer notre conviction, Seigneur, je veux rester propre. En faisant cela, le pardon que nous allons vivre aura sa pleine efficacité. Nous voulons préparer davantage notre cœur avec une cantique de repentance. Ensemble, nous voulons nous mettre debout et prier la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, je vous annonce l'heureuse nouvelle. Sika, nazali kwebisa bino sanguela mo. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant. On kombo ankolo na biso Jésus Christ, mona nzambe abomoi. Vos péchés vous sont pardonnés. Masumu mabino malimbisami. Et la paix de ressuscité soit avec vous tous. Pekimia ya oyasekwa kinaliwa ezala na bino banso. Amen. Amen. Cher Père Céleste, nous sommes heureux d'écouter ces paroles de pardon et de paix. Tata likolo totondisami na esengo ya koyoka maloba oyo ya bolimbisi pe ya kimia. À nouveau par ton amour, par le sacrifice de ton fils. Lisusu likolo ya bolingo na yo pona komika ba mwana na yo Yesu. Nous sommes libres. Biso tokangolami. Ceux qui pesaient lourdes. Oyo ezalaki kozala kilo. Ceux qui nous faisaient honte. Oyo ezalaki kopesa biso soni. Est enlevé. Elongwe. Nous nous trouvons comme une épouse apprêté avec une belle robe. Si koyo to mimoni lokola mwasi abongisami pe alati elamba ya kitoko. Devant le sauveur de notre âme. Liboso ya mobikisi ya misuke na biso. Nous t'en sommes reconnaissants. Totondi obotondi. Pour ce sacrifice, cette parole de pardon et cette grâce. Pona komikaba oyo maloba oya bolimbisi pe pona mawa oyo. Pour la paix que tu nous donnes aussi. Pona kimia oyo zo pesa biso. Bénis ton peuple. Pambola batonayo. Aide tes serviteurs, tes servantes. Salisa bananayo, basali nayo basper mibali. À nouveau, tu vois leurs soucis, mais notre désir de servir.
de faire quelque chose pour ton œuvre, d'abréger le temps. Ce n'est que toi qui peux le faire. Et nous voulons être des outils dans ta main. Aide tout un chacun. Sois avec nos enfants et notre jeunesse qui reste ferme. Développe des racines fortement enracinées dans l'œuvre. Les vents et les vagues de ce monde ne peuvent pas les épanouir. Tes serviteurs, tes servantes. Nos vieux. Ceux qui nous soignent notre corps terrestre. Ceux qui sont en position de décider de faire des mesures, qu'ils reçoivent ta sagesse. Ton appui, ton aide. Afin que nous puissions sortir de ces problèmes. Afin que nous puissions vivre en paix. Et nous préparer pour le retour de ton fils. Donne plus et mieux que nous pouvons mettre en parole, nous te demandons cela au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, pour ceux qui avaient l'occasion, on a pu vivre ensemble le service divin. Dimanche passé, Pâques, avec notre apôtre patriarche. Vous avez écouté et constaté qu'il n'a pas célébré la Sainte-Cène. Il a expliqué. Cependant, l'un ou l'autre se demande pourquoi on ne peut pas, même dans notre foyer à la maison, s'il y a un frère de ministère. Partager la Sainte Cène. Nous avons écouté notre apôtre patriarche, même chez lui, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que c'est une mesure de protéger. Mais en solidarité et en amour avec nos familles, nos couples ou les individus qui n'ont pas cette capacité d'avoir un frère de ministère à la maison. La décision a été prise de ne pas fêter la Sainte-Cène. Nous suivons, parfois on comprend, parfois on ne comprend pas. Nous comprenons tout simplement avec l'obéissance, la bénédiction. Nous réjouissons et nous attendons le moment où nous pouvons tous fêter ensemble. Nous voulons avoir une prière finale maintenant pour clôturer ces moments ensemble. Prions. Cher Père Céleste, merci pour la parole, pour la grâce, pour tout ce que tu as fait, tu feras pour tes enfants. Cher Père Céleste, tu nous as mis sur cette voie. Nous ne voulons pas la quitter. Conduis ton peuple à travers ton esprit en unité avec notre apôtre patriarche. Cher Père Céleste, sois au nouveau à ceux qui sont malades, ceux qui ont peur. Calme aussi les craintes. Aide de ta façon comme tu veux. Surtout que nous puissions nous préparer pour le retour de ton fils. Que tu nous gardes en unité jusqu'à là. Bénis les offrandes de ton peuple. Physiquement, c'est difficile que nous mettons nos offrandes. Mais tu vois les sacrifices et tout l'amour démontré. Que ta bénédiction reste là-dessus. Pour voir aux besoins quotidiens de tes enfants. Nous te demandons cela au nom de ton fils Jésus. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Osenga ya nkolo na biso Yesu Kristo, bolingo ya Nzambe Tata, pe bokanga mina molimo mosantu, ezala na bino banso. Amen.
aussi, bien aimé. Matondo balingami. Et on se réjouit. De se revoir prochainement. Ya komona na lisusu na mikole kwa liboso. Si Dieu permet mercredi prochain un autre service divin. Soki nzamba pesi nzela mokolo misato ekoya losambo mosusu. À bientôt. Matondo mokole koya liboso.